pas déjà bon. Ici, on a les enfants en difficulté et les enfants orphelins que nous encadrons par la grâce de Dieu. Justement, ça fait peut-être quelques temps, juste après mon retour des États-Unis, ma seconde venue, justement, c'est un but bien précis, c'est par rapport à la rentrée scolaire. Je suis là justement pour échanger avec les responsables de l'orphelinat. Mon absence, c'est, je ne suis pas celui-là qui est le père ici. Il y a un père qui est là. Depuis que c'était le groupe qui le présente, on acclame le Seigneur pour toi. Merci. Merci le modèle de Julien Ducolin, père des enfants. Voilà, père des enfants. Il a son épouse qui est dans la cuisine et son foutu est mangé. Amen. Isaac, il a mangé le foutu. J'ai demandé qu'est-ce qu'il avait mangé, mais il a mangé le foutu. Donc, c'est justement pour amener les enfants à comprendre que le prophète Crasso n'est pas celui-là qui doit être au quotidien avec vous. Depuis que j'ai eu, le moniteur, il représente le père des enfants et sa femme représente la mère des enfants qui sont ici. Donc, je n'ai pas voulu toujours être là pour emmerder les enfants psychologiquement parlant. Parce que quand il y a une représentation d'un père, quand il y a une représentation d'une mère, les enfants savent à qui se confier. Et je pense qu'ils nous font après le retour d'un travail. Donc, c'est un peu ça. Mais là, je suis là ce matin pour un travail. Il s'agit de la rentrée scolaire. Je suis là juste pour discuter avec les différents responsables pour penser comment scolariser les enfants. Voilà, c'est important. Et puis, leur donner une avenue, ou un avenir plutôt, c'est-à-dire qu'il faut les orienter dans certains domaines. Donc, moi, j'ai, par la grâce de Dieu, on a pris le temps quand même de. Les responsables, ça, je vous tire le chapeau, on a pris quand même le temps d'observer les enfants et de savoir beaucoup de choses. Et ça, je vous tire le chapeau parce qu'on m'a fait déjà un retour de ce qui peut, ou ce qui ne peut pas maintenant aller à l'école. Ceux qui peuvent aller déjà à faire un métier et tout ça, ça c'est déjà bien. Le combat que nous menons, c'est que la Côte d'Ivoire est notre nation. Et puis, il y a aussi les orphelinats et dans les endroits, le droit d'enfant dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour un enfant? D'abord, l'éducation. Si peut-être qu'on n'a pas pris le temps de le former, l'envoyer à l'école, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ait un métier et tout ça, ça c'est vraiment important. Je suis là justement pour ce travail au niveau de la Fondation Prophète Joël Crasso, Espoir de vie. Ce sont mes enfants et puis on est ensemble orphelins. Et à moi, on est tous orphelins. Voilà, donc quand je rentre ici, je viens en statut d'orphelin. Je ne viens pas en statut de patron ou bien quelqu'un. On est orphelin. Oui, ils savaient très bien aussi mon histoire. Moi, j'ai perdu mon père et ma mère. Donc je viens à des pas pour dire. Je ne viens pas pour vous dire, ah, vous êtes orphelin. Non, je viens. Là, je l'ai dit hier au début, parce qu'il n'était pas là, et que j'étais constamment là. Voilà, maintenant, dès qu'il est là, mais là, moi, je n'ai pas mon rôle à jouer là, mais je viens pour des urgences. Mais je suis de tout corps avec vous, je prie pour vous. Mais vous avez un avenir, il faut qu'on se batte pour l'avenir. Ça, c'est notre souhait. C'est vous mettre dans un cadre idéal, par la grâce de Dieu, et vous aider à avancer. Voilà, c'est un peu le combat que nous menons et tout ça. C'est ce qui est dit aux gens, on n'est pas obligé de le faire. Mais c'est parce qu'on a l'amour de Dieu et qu'on veut le faire. Parce qu'on a l'amour de Dieu. Voilà, on veut le faire. C'est pas tout le monde qui le font déjà. Moi, j'avais déjà un rêve. Mon rêve, c'était déjà d'avoir des gens avec lesquels je discutais, qui allaient partir des zéros et devenir quelqu'un demain. Voilà, devenir quelqu'un demain. Donc pour moi, c'était vraiment important de parler avec vous. C'est pour ça qu'elle vient. Viens. Parce qu'il a fait une vidéo. Elle a changé de forme. Hein. Ouais. C'est bien à toi. Demande le secret. C'est un peu quoi? Tu manges quoi au matin? La parole? Elle a beaucoup changé. Vous n'avez pas remarqué? Comment vous avez remarqué ça? Ce matin, il est appuyé. Voilà, donc c'est sa fille qui vit chez moi. Tu sais qu'elle s'allume la télé, non? Tu ne t'as pas dit ça? Elle ne t'a pas dit? Non. Elle s'allume le canal, elle s'allume le gaz.
de cette table, de cette placer les couverts, tout ça. Hein? Hein? Quoi? Je dis merci, papa. On s'apprête maintenant à la rentrée, à faire quelque chose pour elle. Et puis, on aura l'occasion, toi et moi, de discuter de certaines choses, tout ça. Parce que moi, mon souhait, c'est de faire évoluer hors même de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je fais une préparation aussi par rapport à ça. Amen. Mais ton amen, là, on s'en va. Amen. Je vais l'adopter, quoi. Je vais l'adopter. Et puis, on va faire les choses pour qu'elle ait l'information. Pour qu'on dise qu'on est parti de l'histoire de la sorcellerie, on est devenu quelqu'un de bien. Maintenant, on est ensemble. Ça va, vous, les enfants? Oui, ça va. C'est bien. Tu es beaucoup timide ce matin. Ça y est, quoi? Ça va, la vie. Merci. Ça va, maintenant, toi? Tu connais bien, hein? Non, tu m'as dit. Ça va, tu m'as dit. Pas ça, il est. Un petit ça va tomber. Amen. 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 Voilà, donc que Dieu vous bénisse. On est justement là pour travailler dans le domaine de pouvoir vous aider à vous envoyer à l'école. Est-ce que vous êtes prêts pour aller à l'école? Ah, non, c'est comme ça. Est-ce qu'on est prêts pour aller à l'école? Oui, papa. Vous êtes contents d'aller à l'école? Oui, papa. On va applaudir pour ça. Monsieur, ça va? C'est comment t'as joué le ballon? Il nous a dit bien. Quand il a vu ça, il dit bon. S'il ne reste pas dans la rue. Quand même la ville là, tu t'es enfermé des enfants. Tu as fait comment? C'est les trésors. Pour les projets dans tous les domaines, dans tous les domaines. Ça va? Vous êtes prêts pour aller à l'école? Ça va. Voilà, on entend de. Ils ont déjà quand même fait un travail de fond. Je dis merci au moniteur, la médiatrice, le personnel, pour le déjà de le travail fait à fond. À fond parce que dans, vous êtes au quotidien avec eux. Vous avez déjà quand même eu un travail quand même de fond, dans le sens où vous avez révélé quand même ceux qui étaient aptes, ceux qui n'étaient pas aptes. Ça, c'est-à-dire que pour moi personnellement, c'est un grand boulot. Parce que c'est pas facile de gérer un enfant. Un, plus forte raison, plusieurs enfants à la fois. Et ça, déjà, c'est déjà bon. En même temps, il y a eu des propositions de comprendre que ceux mêmes qui n'étaient pas aptes maintenant d'aller à l'école, il fallait faire quelque chose pour leur éducation, pour qu'ils puissent vraiment avoir quelque chose, n'est-ce pas, dans la société. Donc, c'est ça, c'est bien bon. Nous autres, nous battons pour vous. Hein. J'espère que vous priez beaucoup pour nous. Voilà, j'espère que vous priez beaucoup pour nous. Si vous êtes ici, c'est parce qu'on a quand même pensé, avec l'aide de Dieu, vous mettre ici. On ne voulait pas que vous soyez dans la rue. Voilà, ça, il faut que les gens comprennent ça. C'est déjà des efforts fournis, et c'est des moyens, et c'est des études, c'est une œuvre d'esprit, et qu'on a mis ça dans la prière pour que les gens aujourd'hui, comme vous, ne se retrouvent pas dans la rue. Si vous êtes dans la rue, on sait ce qu'on appelle aujourd'hui les bandits. Il y a les gens de Jésus qui sont des microbes, qui sont dans la rue et tout ça. On ne fait pas de vous un décor, on fait de vous des gens qu'on doit suivre, qui doivent devenir quelqu'un demain. Voilà.
et c'est, ça part de, toujours d'un rêve. Il faut toujours avoir une vision. Il faut savoir d'où tu pars, il faut savoir où tu t'en vas. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec vous par la grâce de Dieu. Vous aidez quand même à avoir l'espoir à la vie. Parce que quand vous perdez l'espoir, quand il n'y a pas quelqu'un pour vous aider, vous soutenir moralement, vous aider dans beaucoup de domaines, il sera difficile pour vous même d'avoir espoir. Vous allez prendre pour, n'est-ce pas, truc répète, le banditisme. Or, c'est ce que nous ne voulons pas voir. Vous avez beaucoup de choses à faire en vous. Je vois un drogba ici. J'ai vu des gens qui étaient des courtiers, qui ont fait des trucs ici, n'est-ce pas? La plupart d'entre eux. La directrice est où? Viens ici. La plupart d'entre eux. Tu t'assois. La plupart d'entre vous sont ceux qui ont, n'est-ce pas, ont fait quelque chose. C'est vrai qu'on n'est pas revenu encore là-dessus. Mon souhait, c'était de vous prendre pour aller faire des vacances. D'abord, un, on avait problème de moyens. Moi, j'avais problème de moyens. Parce que, voilà. Et puis, il y avait d'autres activités à faire. Donc, je pense qu'on va remettre ça, on remettra ça là. Pendant peut-être le décembre, c'était mon souhait que vous découvrez les zoos d'Abidjan. C'était mon souhait que vous découvrez, n'est-ce pas, la mer de Bassam. Et ça, je vous promets pour ça. Cette année, ça sera un travail dans le sens où que l'orphelinat même est un véhicule. Dans un premier temps, on a fait l'orphelinat, ce n'est pas forcément avoir un soutien de l'État. Si l'État vient nous en appui, gloire à Dieu, on l'a fait parce qu'on avait une vision d'encadrer les enfants en difficulté, de permettre à ceux qui, n'est-ce pas, avec le besoin, c'est-à-dire les enfants qui étaient vraiment, qui avaient des problèmes, des orphelins, des enfants en difficulté, de les insérer quelque part. Donc c'est ça qui fait qu'on n'organise pas les galas. Si vous voyez que pendant les vacances, je n'ai pas organisé des galas à Divo, galas pour soutenir l'orphelinat de Divo, ou bien on a en vue galas en décembre. Non, on n'est pas là pour mendier. Moi, je n'ai pas créé, au fait, Dieu ne m'a pas mis à cœur de faire l'orphelinat pour une mendicité. On a créé l'orphelinat parce qu'il y avait un besoin. Le besoin, ils savent très bien. Je suis ici, lui. Tu as resté combien de temps au centre de prière? Non, à Zaroko et puis à Divo. 4 ans. Vous comprenez? Sans quel mois j'étais lui? C'est en 2016. C'est 2016. Je l'ai découvert en 2016. Il a fait 4 ans. Ça fait 1 an que je découvre qu'il est. Il était venu même à Divo. Et comme moi, souvent il est surprenant. Et puis lui, il était en train de donner à manger au mouton du centre. Comme moi, dans mon sang, j'ai un petit peu. Donc de temps en temps, je fais une vase de mouton. Donc je découvre que le petit est en train de donner la manger. Je dis, mais c'est qui? On me dit, non, il vient de Zaroko. Il vient de Zaroko, comment? Non, que ses parents ont abandonné à Zaroko. Il dit, mais comment les enfants, les parents veulent abandonner à Zaroko? Il a fait combien de temps? Or, il avait déjà fait 3 ans, c'est ça, non? Il avait déjà fait 3 ans à Zaroko quand lui et moi on s'est rencontrés. Du coup, il a attiré mon attention. J'ai dit, mais comment? Je n'ai pas parlé avec toi. Je l'emmène dans le bureau et je parle avec lui. Tu es là pour quoi? Un problème de sorcellerie. Il est là pour un problème de sorcellerie. Ça pose ça qu'il est. C'est pas une raison. Comment tes parents t'ont laissé? Hein? Attends, moi, tu as dit, je vais tout près là pour revenir. Et puis, il est parti. Vous voyez? Donc, du coup, moi, il ne savait pas. Donc, du coup, j'ai demandé aux gens, puisque j'avais pas, le pasteur Serge n'était pas à Zaroko, le pasteur Philippe était à Divo. On était en train de mettre l'organisation sur Divo. Donc, j'ai demandé que tous ceux qui étaient à Zaroko de rentrer sur Divo. Voilà. Donc, du coup, d'autres sont partis à ma connaissance. Et moi, j'ai découvert le petit quand j'étais en train de faire le tour de la cour. Et puis, je le voyais en train de nourrir les bêtes. Donc, je l'ai appelé. J'ai dit, mais le petit fait quoi? Comment un enfant, on peut lui donner? On dit, si, c'est lui qui s'occupe de ça. Attends, moi, j'ai tiqué. Il dit, mais comment il peut s'occuper de ça? On dit, non, à Zaroko, il fait ça. Il faisait ça, hein? On lui faisait ça à Zaroko. Tout ça. Et je découvrais qu'il faisait. J'avais des années
Et ça, ça a attiré mon attention et on s'est dit, mais attends, c'est vraiment quand même quelque chose d'un peu de trop. Il fallait quand même quelque chose, il fallait pour moi qu'elle fasse quelque chose parce que lui ne peut pas vivre dans un centre de prière. C'est ça. Un centre de prière, c'est fait pour ceux qui veulent faire une délivrance. C'est pour ça qu'il y a toujours dit aux gens, si quelqu'un ne veut pas faire les aveux, ce n'est pas les appels de les forcer. Voilà, donc lui, il ne peut pas vivre dans un centre de prière. Donc du coup, j'ai compris qu'il fallait, en temps on avait déjà beaucoup de projets, c'était d'abord, on a beaucoup investi dans, n'est-ce pas, l'éducation, beaucoup de choses, tout ça. Donc du coup, j'ai dit, mais attends, il faut qu'on apporte notre soutien. Et du coup, j'ai commencé à avoir l'œil sur lui, j'ai commencé à prendre soin, et puis j'ai dit, bon, attends, bientôt, on aura notre fondation, on aura les locaux, et on va t'affecter là pour t'aider. Voilà. Donc, depuis que tu es là, ça fait combien d'années? Ça va pas un an? Ça va pas un an? Ça va? On dit que tu es 0-0 ici. On est tous orphelins. Chacun parle de son. On dit que dans la tête, ça va pas. Non, ça va quand tu sais faire quelque chose, aller à l'école, c'est un problème. Il n'a pas d'extrait de naissance. Il n'a même pas d'extrait de naissance. Voilà. On ne sait même pas à qui s'adresser. Tu viens de quel village? Dabia. 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 Bon. Du coup, on n'a pas cherché à savoir ses parents, mais je pense que ça nous intéresse déjà de savoir, puisque toi tu connais déjà le groupe. On va quand même mener une enquête pour savoir ses parents. Et puis maintenant, si les parents ne veulent pas l'aider, on va voir comment s'occuper de lui. Parce que tout qu'on fait, les parents biologiques, voilà. Même si l'on abandonne, mais déjà dans un premier temps, c'est une personne qu'on doit assister parce que c'est une personne qui est exposée à beaucoup de choses en tant qu'enfant. Il faut déjà prendre soin de l'enfant qui est en difficulté. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Ça va ici? Son éducation, c'est un peu difficile. Maintenant? Mais tu as dit qu'il y a un problème de film à santé. Oui, pour l'école, c'est un problème. Alors, comment on va refaire le semestre? Tu veux quoi? Tu veux des guerres? Tu n'es pas allé à l'école? Elle dit c'est quoi? Elle n'est pas allé à l'école. C'est vrai? Hein? Non, j'ai compris. Et lui, il a envie d'aller à l'école? Il a envie d'aller à l'école? C'est sûr. Tu as quel niveau toi? Hein? Pourquoi? Au 5-2. Il a un niveau 5-2? Non. Il a régressé. Voilà. Il a régressé. Il a monté. Oui, et puis la fraction. Voilà. Il manquait la fraction, donc il a perdu ça, cette notion. Mais tu as envie de partir. Pourquoi? Continue ton école. Pourquoi? Tu as quel âge? Tu veux pour devenir quoi? Bien, je peux parler. Ça va? Tu as changé? Bien, a changé. D'accord, en fait, je vais profiter de la présence des enfants, puisque nous parlons orphelins. Moi-même, j'ai perdu ma mère, je suis une orphelin. Ma mère seulement? Oui, ma mère seulement. Moi, les deux. Alors, vraiment, vous allez vous joindre à moi, parce que, au niveau journalistique, j'avais eu beaucoup de séminaires, et quand on va au séminaire, on n'a pas de blague. Moi, personnellement. Donc, je sors, je prends l'autre, les autres sortent, puis c'est le vrai séminaire. J'ai dit à Bassan, il y a encore du grand journaliste, les gens prennent de l'œil, ils enchaînent là-bas. Et j'ai fait une avance à un des responsables que nous encadrons à Boaké. Si c'est top 1000, puisque ils ont facilement, par rapport aux bailleurs, les gens vous pouvez, quand il a pris l'argent depuis 2015, et quand il appelle faire son portail, c'est une occasion. Comme on a un père,
qui se soucie des orphelins. Qui se soucie des orphelins, je me demande, il n'y a pas que l'orphelin. Chacun déclare statut de voilà. En fait, comment alors, il était de l'autre côté, il dit, ah, ben, tu viens là, moi j'ai besoin d'un ordinateur. Il dit, ordinateur, mais t'inquiète, mais pourquoi tu ne m'as pas dit, j'étais en France, je venais avec. Mais cette fois-ci, tu auras ton ordinateur. Applaudissez pour ça. J'ai cru, il y avait foi, et effectivement, à ma grande surprise, mon téléphone sonne. Et bien, Joe, tu es délivré. Il dit, amen. Et voilà, donc, je sors mon joujou, je ne fais pas le jaloux, bien sûr. Donc, vous avez le joujou. Vous dites merci à vous. On applaudit pour ça. La gloire au nom du Seigneur. Moi, j'étais surpris qu'il n'avait pas d'ordinateur. Moi-même là, j'étais même choqué. C'est-à-dire, l'information me choquait. Voilà, donc j'ai dit, mais attends, j'ai banalisé. Puis quand il est revenu encore l'attaque, il a redemandé, j'ai commencé à prendre au sérieux. J'ai dit, mais attends, toi, tu peux pas être un gars comme toi, comme ça, dans tout Divo, tu n'as pas d'ordinateur. Et vraiment, c'était vrai. Bon, l'ordinateur, c'est rien. Mais c'était un outil de travail. C'était vraiment un outil de travail. Et puis j'ai vu que c'était vraiment indispensable pour lui. Il fallait vraiment. C'est ton ministère. Chacun a son travail. Et j'avoue que c'est la marque des marques. Hein. Oui. C'est pas nous. Hein? Donc vraiment. Les enfants, on va dire ensemble merci, papa, pour que tu aies placé. Ensemble, hein. Merci, papa. Hein? Amen. Bon, gloire à Dieu. Amen. Mon souhait, c'est que la gloire revienne toujours au Seigneur et que les choses avancent mieux par la grâce de Dieu. On est ensemble. Là où je suis arrivé aujourd'hui, et ça je le dis, je ne peux pas être constamment parmi vous. Mais je pense qu'il faut que Dieu m'aide, franchement, à gérer mon temps. J'ai ce problème. Maintenant, j'ai un problème de comment gérer son temps. Et ça, j'ai ce problème. Je demande au Seigneur de m'aider. Franchement, et ça, franchement, et je pense que d'ici 2018, je vais pouvoir gérer mon temps. Parce que c'est des choses qui sont venues comme ça. Et ça fait que par moments, j'ai souvent soulevé des improvisations dans mon travail. Mais je pense que par la grâce de Dieu, avec vos prières, tout ira mieux. Voilà, parce que pour nous, c'est vous voir avancer. Pour vous, c'est vous voir, n'est-ce pas, entrer dans votre destinée. Être en bonne santé, parce que moi je sais ce qu'on appelle être un félin. Je sais comment parler avec un père, comment parler. Le jour où j'ai eu des enfants, que j'ai eu, parce que Olivia travaillait, n'est-ce pas, au secrétariat, mais après j'ai découvert un autre talent qui était en elle. Elle découvrait un autre talent qui était en elle, et puis après ça, c'était l'administration. Il fallait trouver quelqu'un qui était marié, qui était avec, pour comprendre que les enfants doit vivre avec un père et une mère. Et ça, c'est très important. Physiquement, ils se réveillent, ils voient une maman, ils voient un papa. Donc, psychologiquement, ça les aide. N'est-ce pas? Ça va comment s'adresser. Peut-être la fille, elle peut fuir le père, mais elle peut se confier à la mère. Donc, il fallait vraiment créer un peu ça pour équilibrer un peu, n'est-ce pas, l'esprit des enfants. Et puis maintenant, il fallait checker sur eux. Je pense que le travail que le personnel a fait, c'était vraiment un travail vraiment louable. Et ça, vraiment, que Dieu bénisse. Ils ont réussi à faire ressortir un élément, savoir l'autre peut aller à l'école, l'autre ne peut pas aller à l'école. Et ça, c'est ça, vraiment, c'est très, très important. Parce que dans tous les domaines, c'est-à-dire, même le domaine psychologique, il y a eu un travail. Et ça, c'est ça. Ils sont là pour ça, pour voir un peu l'évolution des enfants. Voilà, l'évolution des enfants. Il faut que ceux qui encadrent les enfants sachent au moins lui, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et ça, c'est vraiment très important. Même quand on finit de faire les examens, en fonction, n'est-ce pas, du métier qu'on veut choisir, les gens voient un peu notre niveau, c'est en fonction de ça qui nous oriente un peu dans les différents métiers. Donc, je pense bien que j'ai un travail qui est en train de se faire. Comme je disais, nous, ce n'est pas une question de demander forcément les fonds aux gens, ou bien créer des galas, de tout, mais c'est une vision qui est partie de quelque part. Et le besoin, il est tellement énorme. C'est-à-dire, à part ces enfants que vous voyez, il y en a plusieurs enfants qui sont en difficulté. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Et puis, bon, et moi, mon souhait en tant que
enfant de Dieu, serviteur de Dieu, c'est de voir d'autres structures. C'est pour cela que quand je voyage, je vois des structures dans d'autres pays, je les encourage avec l'expérience que j'ai. Parce qu'il y a d'autres qui veulent forcément avoir un agrément, parler avec l'État. L'État doit vraiment l'installer. Tu n'as jamais eu de vision. Si l'État doit t'installer, c'est que tu n'as jamais eu de vision. La vision ne commence pas par l'État. La vision commence par une question de volonté, une vision. Et puis, il faut d'abord payer le prix et puis l'amour. N'est-ce pas, qui prime tout ça, qui couronne tout ce que nous avons, nous ressentons. Ça bâtit de l'amour qu'on s'investit. Parce qu'on ne réalise pas l'amour, c'est un amour engagé. On ne réalise pas un peu tout ce qui se passe autour de nous. On s'investit corps et âme pour aider, n'est-ce pas, ceux qui sont en difficulté. Et moi, j'ai compris. Au départ, c'est vrai que j'ai vécu une expérience. Mais c'est pour ça que la formation est importante. Et quand j'ai commencé à voir beaucoup de cours sur la situation de l'enfant, son droit, et puis son avenir, moi j'ai pleuré, hein. Il y a des cours, je pleurais. Parce que c'est des choses que je ressentais, mais je ne savais pas qu'il fallait. Et puis j'ai dit, mais attends, tu savais que je suis quand même dans une vision des choses que je ressentais, mais je ne savais pas comment canaliser la chose, et ça m'a aidé. C'est une chose. Donc ça vous dit, on peut sortir, on peut être peut-être sorti d'une famille où papa est mort, papa et tout, tout est dans la guerre. Et puis on peut, c'est ça, parce que quand on perd un père, une mère, ceux qu'on affronte déjà, ce sont les parents biologiques, peut-être l'oncle et la tante, mais après ça, il y a des chocs, parce que les paroles qu'on entend, ce n'est pas les paroles qui nous édifient. Chez nous, les bétons, on sait un peu, quand un parent meurt, on sait ce qu'on dit d'abord, on dit venez l'enterrer. Quand on dit venez l'enterrer, ça dit faut te dépouiller de tout ce que tu as pour enterrer le corps de ton père. Tu peux investir peut-être 10 millions, 5 millions dans le corps. Donc déjà, l'enfant, moi personnellement, l'enfant sort d'un funérail, il est choqué, il est traumatisé à vie. Parce qu'ils l'ont dépouillé. Un, mon corps de mon père a fait 2 mois la mort. Moi, je sais ce qu'on a subi comme difficulté. Parce qu'on vient vous dire souvent, on n'a pas à manger. Oh, vous savez que vous venez de tuer un mouton. Aïe. Et puis elle tourne. Bon, je n'ai pas trop dit ça aux enfants. Elle vient de tourner la louche, vous savez que vous avez tué un mouton entier. Puis elle pleure, elle qui crie, tombe. Qu'est-ce qui se passe? Elle vient d'arriver, elle a pris l'information, elle dit non, vous l'avez mal nourri. Comment? Ils ne sont pas bien nourris. Il faut poser un acte. Mais c'est quoi? On a besoin d'un bœuf. Bœuf, ça veut dire l'argent. C'est l'équivalence à l'argent. Donc quand vous sortez d'un funérail comme ça, en tant qu'orphelin, qui n'était pas habitué au système des funérailles. Vous sortez d'un funérail, vous êtes d'abord choqué, traumatisé psychologiquement. Vous avez peur d'approcher les parents. Et puis les parents ne sont pas prêts pour vous aider. Parce que ici, en Afrique, c'est ça. D'abord, on a une famille, on a perdu un frère, on n'est pas obligé de s'engager à 100%. On prend des engagements. Il y a des gens qui prennent des engagements quand ils voient le cercueil. Ils prennent des engagements. Mais en même temps, c'est n'importe quoi après. Donc nous autres, on a traversé, on a connu beaucoup de choses. On s'est dit, on peut être un instrument en aide de Dieu pour aider les enfants en difficulté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on essaie d'apporter notre expérience à nous. C'est ça, c'est pour ça qu'on prie Dieu pour que le Seigneur aide, nous aide à, n'est-ce pas, apporter quelque chose à l'humanité. Quand un être humain vit sur cette terre, il n'est pas utile à son prochain, il est comme un animal. Même l'animal, le mouton, il est utile, on le mange après. Il est comme un monstre. Quand tu es sur cette terre, il faut être utile à quelque chose. N'est-ce pas? Et donc, c'est un peu cette vision. Et je pense que quand on est croyant, on doit porter, n'est-ce pas, l'amour autour de nous. Et tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas modèles, en enseignant sans enfants qui sont autour de nous, ils ne pourront jamais apprendre ça. C'est ça. Dans l'environnement dont tu as grandi, c'est ça qui t'influence. Si tu n'as pas vécu dans un environnement où il y a du partage, où les gens parlent de l'amour, où les gens parlent de protection, que tu entends toujours ça, qu'il faut partager, mais tu serais quelqu'un qui est beaucoup réservé et qui tient dans ton coin, et ça serait un problème. Donc il faut apporter. Dans notre culture africaine, c'est d'abord, on est beaucoup famille, on est beaucoup partage. Donc déjà même, le fait qu'on perd un parent, qu'on est isolé, ça nous tue psychologiquement. Voilà. Donc je comprends le problème de François. Hein. Je comprends franchement le problème de François. Parce que quand les parents lui disent, je m'arrête quelque part, et puis je reviens.
Donc ça dit, ça l'a tué psychologiquement. Vous avez éteint une étoile. Vous avez éteint une étoile. Maintenant, c'est à nous de l'aider, de le booster. Donc merci déjà, parce que je l'écoutais tout à l'heure. Et ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, il ne disait pas ça dans quelques jours. Hein. Et ça, merci déjà pour le travail que vous avez fait ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez pour moi. Je suis un être humain comme vous. J'ai des qualités, j'ai des défauts. J'ai besoin de votre prière. On est tous orphelins. Priez pour moi pour que Dieu nous aide à faire avancer cette œuvre. Et ça, c'est vraiment important que Dieu nous aide. C'est pour ça que je ne dors pas pour ça. Je ne vais pas pour ça par la grâce de Dieu. Je pense que le Seigneur nous aidera par la grâce de Dieu. Il s'agit maintenant de votre éducation. Il faut que vous partiez à l'école. Et ça, on ne peut pas vous priver de ce droit-là d'aller à l'école. Donc, nous sommes là justement pour parler de ça. Je vous encourage. Celui qui ne veut pas aller à l'école, c'est bien un problème. Parce que sans l'école, vous verrez, on ne peut pas gagner quelque chose. Ça, quand quelqu'un ne connaît même pas, qui n'est même pas le, qu'on appelle sixième, cinquième, troisième, il est bien handicapé. C'est un handicap. Il y a des endroits où tu ne peux pas t'exprimer. Or, on arrive au même stade aujourd'hui où le minimum d'études, c'est troisième. BPC, troisième. Les gens aujourd'hui sont universitaires. Voilà, donc ici, l'Afrique doit avancer, mais elle avance avec qui? Elle avance avec quoi? Voilà, donc c'est un peu ça. Je remercie encore aussi ceux qui sont en train d'encadrer les enfants, tout le personnel surtout, pour vraiment un travail. Et ça, je le reconnais. Je le reconnais que j'ai eu un grand travail qui a été abattu au niveau des enfants, parce que déjà, le contact avec les enfants, déjà, on peut déjà savoir. L'autre, le petit qui était réservé, ce petit là qui est accroché à toi, il n'était pas comme ça avant. Maintenant il dit son nom. Ça c'est bien quelque chose. Voilà, c'est bien quelque chose. Donc c'est franchement que Dieu vous bénisse abondamment. Surtout le personnel, vous avez toute la bénédiction du Seigneur. Comme je disais, je ne peux pas être là constamment. Moi aussi, c'est important comme ça que c'est ce qui gère. Le... On peut pas, je ne peux pas être constamment avec vous. J'ai des responsabilités. Chacun a son travail. Chacun a son boulot et vous êtes à vraiment votre poste. Il fallait que je vienne ce matin le dire, franchement, j'ai un bon boulot ici. C'est ce qui fait que je loue le Seigneur. Parce que franchement, les gens qui font le travail, ils sont là, ils font le boulot. Donc personnellement, je tenais à vous dire merci. Que Dieu vous accorde beaucoup de bénédictions, beaucoup de courage. C'est même pas facile de gérer un enfant. Hein? Un enfant africain qui est né au village. Chasseur de rats. Tu peux l'éduquer. Toi, d'abord, je sais là. Abouti derrière dans Kakaoué. Donc, un enfant qui est habitué à courir derrière rats, tu peux l'éduquer. Tu peux l'écraser. Donc, franchement, c'est un boulot. Hein. C'est vraiment un boulot très énorme. Que le Seigneur vous bénisse. Et tout ça. Massangé, on attend beaucoup de choses de toi. Tu comprends? Les mamans, les trucs, ils attendent beaucoup de choses de toi. Moi, je ne te vois pas aujourd'hui en train de te prendre ta place chez moi à la maison. Non, tu n'as pas ta place chez moi à la maison. Ta place est ici. Il faut que ici, tu trouves déjà une place, même si tu dois prendre un métier, que ça parte de Divo. Voilà, ça c'est vraiment important que ça parte de Divo. Parce que tu as déjà vécu à Abidjan. Si on t'envoie, moi, même si je t'envoie à Abidjan, tu as bourri. Pour aller. Qu'on appelle Dr. Kadir? Adamé, regardez où ça. Hein, latin. C'est là-bas que tous les bobos sont créés. Voilà, donc c'est. Voilà, on va t'aider. On va t'aider à trouver un endroit où vivre ta vie, avoir un métier et tout ça. C'est les parents. Moi, je vais faire confiance. Et on est ensemble. Et on est en train de vous donner une éducation. Merci déjà qu'il n'y a pas de rapport où on dit lui, il est le rebelle par rapport à l'autre. Ça, c'est déjà très important. Parce que déjà, avec ma petite expérience dans certains endroits, c'est difficile. Ça, je vous dis la vérité. Hein. C'est pour ça que moi, c'est pour moi une curiosité de sortir, de voyager. Voilà. C'est pour ça que je suis venu vous dire, allô, est-ce que je t'ai appelé que j'ai voyagé? Vous dites non, ce que tu fais là, il faut faire comme ça. Non. La seule chose que j'ai dit, il faut qu'on fasse des choses au compte de l'orphelinat. C'est-à-dire qu'on fasse un supermarché. Qu'on crée, n'est-ce pas, qu'on appelle une ferme, qu'on crée une activité, on n'est pas toujours tant de la main aux gens,
mais que ceux-mêmes dont les parents, les enfants sont là, on peut les embaucher, on peut les employer dans nos activités, telles que la vente dans les supermarchés, des activités, pour rapporter de l'argent à l'orphelinat. Parce que les gens, souvent, ils viennent, ils promettent des choses aux gens. Ils peuvent vous promettre, je vais aider l'orphelinat, mais c'est pour une courte durée. Mais c'est comme ça. Moi, c'est comme ça, j'ai pris Dieu. Il y a des gens qui viennent pour 20 ans dans votre vie. Ne soyez pas surpris qu'ils partent de votre vie. C'est fini pour eux. Or, il faut que d'autres personnes sortent de votre vie, que d'autres personnes meilleures entrent. C'est comme ça. Souvent, la séparation fait mal. Parce qu'on a dit Dieu, on a parlé à la personne, mais son ministère, c'est fini. Donc le ministère, l'orphelinat doit se prendre en charge. Et c'est cela que, dans les choses qu'on va dire, pas hors antenne, parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de savoir notre projet, on va discuter, on va mettre les activités en place. Les membres, ouais, les parents biologiques sont les proches, les enfants que nous avons ici, vont être dans nos activités pour comprendre qu'il faut se battre pour aider les enfants. Si c'est battre pour aider les enfants, ça va apporter une bénédiction aux enfants. Voilà, parce que les enfants ne sont pas pouvoir forcément les laisser, les abandonner ici, sans qu'on ne pense à les aider. Voilà, donc c'est un peu ça. Franchement, j'ai visité, hein. Je suis allé à Lomé, je suis allé en Guinée, j'ai visité beaucoup de choses. J'ai des choses que les gens ne voulaient pas qu'on filme. Ils ont peur. Ils ont peur qu'on fasse des photos parce qu'ils savent dans les conditions dans lesquelles les enfants vivent. Et ils savent. Mais en même temps, moi, en tant qu'un observateur, ça me permet de regarder, de voir. Et puis je dis, ah, donc chez nous là, c'est bon. Hein. Chez moi, hein. Chez nous là, c'est bon. Hein. Voilà, donc franchement, moi, je quand même ce côté-là, merci. Je suis quelqu'un, ma bouche là, la vérité là, ça cache pas ça. Quand c'est pas bon, j'ai dit c'est pas bon. Ça, tu peux pas m'empêcher. Mais franchement, j'ai visité pas mal des endroits ici, au niveau de l'Afrique, et puis déjà, c'est déjà très bon, déjà le travail que vous êtes en train de faire ici au sein des enfants. Merci. Hier, ils m'ont dit que les enfants jouaient Maracana. Merci beaucoup. Il faut les faire sortir, il faut parler avec eux, il faut changer avec eux. C'est ça. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est le prophète qui doit venir pour booster l'orphelinat. C'est dangereux. Or, c'est dangereux. Or, c'est ça que j'évite. C'est cela que ma raison, c'est ça qui fait que, même si je suis ici, je n'ai pas ici. Parce qu'il faut que les gens sentent au moins qu'il y a une père, j'ai une mère, j'ai une directrice, il y a des gens que moi, je viens régler les problèmes très urgents. Mais je suis orphelin comme eux. Je viens en tant qu'orphelin. Mais ils ont un père, ils ont une mère. Ils ont une directrice. Ils ont quelqu'un là juste à côté. Un membre aussi qui me représente ici. Qui peut aussi gérer les activités au quotidien. Sinon, je dis bien, je suis toujours au quotidien ici. Moi, j'aimerais vous respecter. Parce qu'ils savent, eux, moi, c'est moi, on s'est rencontrés. La première personne avec qui vous posez, c'est elle, moi. Donc ils vont penser que c'est le prophète d'abord avant les autres et c'est dangereux. Non. Je ne leur donne pas cette occasion de dire le prophète, il faut que ce soit le prophète, que je l'écoute. Si ce n'est pas le prophète, je ne respecte pas quelqu'un. Non. Tu as même dit tout à l'heure quelque chose qui m'a choqué, sans le savoir. L'enfant dit, il est fâché, ça fait 2 jours. Tu as annoncé que le prophète doit venir, il est où? Je suis choqué. Hein? Il ne sait pas ça. Il ne sait pas que. Non, il ne sait pas qu'il m'a choqué, mais j'ai dit, ok. Mais c'est ce que je vais amener dans les têtes. Non, sa vie n'est pas liée au prophète. Non, sa vie n'est pas liée au prophète. Sa vie est liée à sa destinée à lui. Donc les gens sont là, ils sont en train de le booster. Est-ce que ce que le moniteur dit là, c'est pas bon? Bon, je suis là petit. Tu vas me donner quoi manger? Je vais foutre manger. Viens me saluer. Il t'a dit quoi? Viens avec lui. Pour vous le présenter, il faut dire la promesse qu'il a faite là. Voici ça. Le prophète est là. Non, en fait, c'est du mal. Bon, c'est là, c'est pas moi qui l'a annoncé. C'est la directrice, on a annoncé la bébé, voilà. C'est moi, mon problème là. C'est ça. Il ne reste pas rendez-vous. C'est mon problème ça. Pardonnez-moi là. Il ne reste pas rendez-vous. C'est vous dit ça aujourd'hui. Et quand il se lève, bon, il ne doit pas bien. Bon, mais le prophète, il est venu. Allez, explique-moi ça. Seigneur, le prophète. Voilà.
Au fur et à mesure qu'on essaie de donner un sujet vous concernant, cela maintenant il dit. Bon, on va voir le gagnant. Maintenant il dit, le prophète devait venir, tu dis qu'il va venir. Il va venir où? Maintenant ce matin même il a dit, il a prié qu'il pouvait venir. Bon, voilà, il a vu ça. Oh, tu vois, c'est passé. Oui, c'est lundi. Il est où le prophète? Donc, moi, je vais dire. Voici maman. Tu viens me voir. Mais le mieux c'est qui? Je suis qui? Le prophète. Et puis tout son nom. Quand ton nom, tout ton nom, c'est mon nom, c'est quoi? Un quoi? Quoi? Quoi prophète? Et puis l'autre là, tu dis quoi? Comment on peut là, tu dis quoi? L'autre nom. Il n'avait pas parlé en français. Vous faites quoi? Hein? Jouer avec la souris. Le lion, le fort. Oh, merci de mon travail. Vous faites un bon boulot, ça c'est vraiment très. Surtout lui. Quand je l'ai vu déjà, c'est ce que le travail est fait. Il est venu de la brousse. À peine il salue les gens. Lui, il s'en fout. Lui, c'est la nourriture ou c'est rien. Je le connais. C'est la nourriture ou c'est rien. Si lui peut penser maintenant pour faire jouer avec la chose. Prie. Prie pour moi. Mon seul problème, il y a trop de lignes. C'est mon premier problème que j'ai devant le Seigneur. Il y a migraine pour ça, il y a trop d'ennemis. Tu as compris? Dis au Seigneur, le prophète là, les gens l'attaquent, l'insultent. Tu as compris? Il n'y a qu'à m'aider. Tu as compris? Dis-vous mon prophète. Ouais, c'est très bien. Ouais, merci pour le travail fait. Que Dieu bénisse à vos mamans, on vous encourage. C'est la rentrée scolaire. Ne nous décevons pas. C'est-à-dire, la rentrée, vous voyez là, il y a beaucoup d'écoles scolaires. Vous êtes aujourd'hui, vous devez vous démarquer d'autres enfants. Ça veut dire qu'on ne vous force pas. Mais vous devez montrer qu'on a eu raison de compter sur vous. Vous allez aller à l'école, soyez les meilleurs. Vous me promettez ça au moins? Soyez les meilleurs. On mettra tous les moyens qu'il faut pour vous aider. Mais soyez les meilleurs des différents établissements. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit, vous êtes des champions. Je crois que la directrice, le moniteur répète ça constamment. Quand on est meilleur, on donne le soi de soi-même. C'est-à-dire, quand vous partez aujourd'hui, si tu es CP1, tu dois être le premier ou deux, parmi les cinq premiers. Voilà, parce qu'ici, il y a quand même des cours de répétition, c'est ça, non? Voilà, quand on vous donne par moment, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse. Priez pour moi. Moi, je prie pour vous. Je suis toujours en genoux, je prie pour vous. Je pleure pour le Seigneur. Parce que nous, les hommes, là, moi, on n'aime pas aider. Vous comprenez? On aime plus gâter que d'aider les gens. Parler mal, là, on est spécialisé. C'est dans nos sangs. C'est comme la sorcellerie. Ça nous a frôlé. On n'est pas sorcier, hein, mais dans nos comportements, on est sorcier. Dans le but de gâter. Le moi expert en destruction. Il n'est pas expert à arranger. Les blancs, quand tu parles mal de quelqu'un, ils cherchent à savoir qui il est. Et quand ils découvrent ses qualités, ils sont amis avec lui. Et puis ils le font avancer. Chez nous, on cherche à gâter les gens. C'est un peu le danger de nous les blancs. Amen. Ça va toi? Mais lui, il a un problème, non? C'est son baroi, ton papa est italien. Personne. Personne, mais son père m'a appelé, je lui ai dit de c'est ça, de parler sur frère, parce qu'on n'arrive pas à mettre la main sur son frère comme ça. Je vais en profiter pour une vidéo. Le petit, que vous voyez là,
ils n'étaient pas les gens de petits qu'on devait mettre peut-être à l'orphelinat, parce qu'ils ne faisaient pas partie de la zone. Nous travaillons dans une zone d'opération, nous autres, nous travaillons dans la zone de Divo et nous aidons. Il y a beaucoup, j'ai eu beaucoup de coups de fil des enfants que je devais aider d'Abidjan. J'ai dit non, moi je travaille dans une zone qui est pratiquement à Divo. Je peux comprendre que l'oncle, puisqu'il est responsable de l'enfant orphelin, travaille à Divo, donc et nous devons de l'aider en mettant les orphelins ici. Parce qu'avec sa contribution, il peut nous aider à faire avancer. Mais je ne peux pas prendre les enfants de Bangourou, Boaké, mais je reçois des coups de fil. Ça, je vous dis ça. Je reçois des messages pour aider les enfants. Je dis non. Nous sommes dans un domaine. Ici, là, il y a plusieurs enfants qui ont ces difficultés. On l'a adopté. Okay. On l'a adopté parce que le sac, mon sac à main, c'est vrai. On l'a adopté. Mon sac à main, va chercher. Voilà. On l'a adopté, cet enfant, parce que voilà, il était un enfant en difficulté, il avait besoin de l'aide. Voilà, parce qu'on a compris, mais là, ça nous a donné raison, parce que même le parent qui s'occupait de lui ici a commencé à fuir ses responsabilités. Voilà. Nous autres, nous prenons la peine de vous aider. Mais aidez-nous. Un enfant, cet enfant a besoin d'être aidé. L'enfant, il y a eu un problème de sorcellerie dans sa vie. On a pris la peine de l'aider parce qu'on sentait que s'il partait, il retournait en famille, il allait avoir des problèmes. Mais là, ça nous a donné raison aujourd'hui. Parce qu'en entendant parler son père, en fait, son oncle en question, qui est le frère de son père, je sentais que le petit n'allait pas vivre une bonne vie s'il retournait. Donc je l'ai amené ici pour l'aider. Mais étant ici, les choses, on le sent. Il faut donner la possibilité à l'enfant. Il faut donner la possibilité à l'enfant, n'est-ce pas, de pouvoir, aller à l'école, surtout pour l'éducation. Et ça, on ne peut pas arracher ça à un enfant. L'éducation de l'enfant, on ne peut pas arracher ça à un enfant. L'enfant a droit à l'éducation, et ça, c'est vraiment important. L'enfant a droit à l'éducation. Et ça, je disais ça à son père, il t'a appelé? Oui, il m'a appelé. Il a demandé à parler à l'enfant. C'est très bien. J'ai eu une information sur lui. C'est très bien. Et à moi, je lui ai dit de rentrer en contact avec son frère s'il allait, parce que nous, on n'avait pas rencontré cette aventure. Il faut qu'il vienne, parce qu'il n'a même pas signé le document. Il est venu signer et envoyer l'extrait de l'enfant. Jusqu'à présent, il est venu. Tu n'as pas le nom de quelqu'un, tu peux? Voilà, on t'a dit bien en fait. Tout ce que nous demandons à ses parents, c'est justement nous aider à avoir l'extrait de naissance de l'enfant. Il faut qu'on nous donne l'extrait de l'enfant, pour qu'on puisse l'aider à aller à l'école. Il est intelligent? Oui, il y a de l'eau dedans. Ça va? Ben, nous, on est là pour t'aider. Hein. T'as compris? Maman est là, papa est là, tout le monde est là. Ça va quand même? Oui, ça va. La politesse, oui. Il est poli, il est bien. Mais on va t'aider. T'as compris? Papa, il ne faut pas en vouloir aux parents, tout ça. Tout à l'heure, je vais parler à son père. D'accord? À son niveau, je vais parler à son père. Pour permettre aux gens, voilà. Si on a des enfants, on les a délivrés, pourquoi vous les fuyez? Donnez-leur une chance d'avancer. Parce que la sorcellerie même, ça a été une question d'initiation. Bon, bref, chacun a son histoire ici. On ne veut pas détaler toutes les histoires, mais que Dieu bénisse. On aura une réunion à faire. Merci pour ceux qui prient pour nous. Merci de prier pour nous. Nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, dans cette rentrée scolaire, pour mettre leurs enfants dans une bonne rentrée scolaire. Nous prions aussi pour les enfants du monde entier, que Dieu permette à ces enfants aussi de connaître aussi l'affection et l'amour véritable, parce que ça c'est important, et que ces enfants aussi puissent vraiment expérimenter, n'est-ce pas, aussi la bonté de Dieu. Parce que quand on est sur cette terre, on doit vraiment être dans un environnement où on est plus à l'aise.
Et quand on vit dans un environnement où c'est pas bien, on devient aussi un danger pour la société. Voilà, donc justement, je suis à la fondation ici pour encourager le personnel pour le travail surtout. Je reviens encore là-dessus pour dire qu'il y a eu un travail excellent fait. Et puis bon, nous allons parler tout à l'heure. Maintenant, nous sommes en phase d'une responsabilité, c'est dans quelques semaines. Dans une semaine, je pense bien. Voilà, il faut commencer à régler. Nous allons régler ça tout à l'heure, la scolarité des enfants, pour que les enfants partent à l'école. Et comment transporter les enfants, comment les envoyer à l'école et tout ça. Nous allons régler ça d'abord. Voilà, donc c'est ça. Nous, nos rêves, c'est de voir ces enfants. C'est vrai, mais ce ne sont pas nos enfants biologiques, ce sont des enfants. Il faut les aimer, il faut les encourager, il faut les envoyer à être meilleurs dedans. Shalom.